Mesdames et messieurs, on y va. C'est où? C'est où? C'est là. On y va. On enchaîne évidemment parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. 6-5, 6-6, 6-7, 6-8. 6-8, ce sera le château de Bowser. Et encore, j'ai l'impression qu'il y aura un niveau de plus. Je pense pas qu'on aura fini aujourd'hui, mais tentons-le quand même. Défense améliorée, c'est parti pour le Yoshi's Woolly World. La suite, encore une fois. On a bientôt fini en NI%. Je pense pas qu'on le finira à 100% après. On fera juste un NI% et ensuite, on arrêtera un petit peu Yoshi's Woolly World. L'idée n'est pas de passer non plus notre vie sur ce jeu. voilà, c'est parti. Alors, ça c'est quoi? Ok, donc les fameux fantômes qui dans Mario, quand on les regarde, ils sont en mode ouais ouais on est trop potes. Et quand... Super jeu de merde. Et quand on est de dos, eh bien ils sont en mode j'arrive, j'approche, attention à moi. Très bien. Et donc ce qui peut s'apparenter à une maison hantée, la véritable première maison hantée de Yoshi's Woolly World. Maison hantée qui casse bien les couilles, mais qui évidemment sont un élément incontournable des épisodes Mario. D'ailleurs, Boo n'est pas... C'est dommage que Boo soit pas un personnage de Mario Kart. Parce que Boo est un personnage assez emblématique, à moins qu'il y soit, mais j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Alors, le principe des maisons hantées dans Mario, c'était que si on prend plusieurs fois une porte d'affilée, elle ne mène pas au même endroit. Voyons voir si ce principe a été respecté dans Yoshi's Woolly World. Donc là, on ne devrait pas arriver au même endroit que tout à l'heure. C'est la même chose. Ok. Alors, une seconde. Vérifions que c'est la même chose, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'est pas sûr. Ok, et si on repasse, il y a eu le roi Boo. Ah oui, Boo est dans certains Mario Kart, mais pas dans le dernier, je voulais dire. Je veux dire, c'est pas un personnage obligatoire de Mario Kart. C'est dommage, c'est dommage. Je le trouve bien plus emblématique qu'un Birdo ou qu'un Donkey Kong. Donkey Kong qui finalement est dans Mario alors que il n'est plus dans aucun Mario. Enfin, dans une aventure Mario, depuis les premiers Mario Bros. C'est quand même abusé. Oui, je sais qu'il y a une flèche vers le haut, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors là, on va faire ce qu'on appelle un juke. Voilà, hop. Mais putain, comment on fait pour monter? Non, je vais pas faire ça. Comment on fait pour monter? On y va. On y va, on y va. Ah! Ah non. Tu vas dire ça fait quelque chose? Ah, peut-être en faisant des rebonds. On a l'impression que ça peut faire quelque chose. Merde. Ah, voilà, ça fait des ballons sans deck. Oh, c'était compliqué pour les enfants, ça. Je pense qu'un enfant restera bloqué à ce niveau. Non, parce que s'il est arrivé jusque là, mesdames et messieurs, hein, il est évident que ça voudra dire qu'il est extrêmement intelligent, cet enfant. Hein? Ouais. Non mais finalement, hein? On peut le dire. Ça, ça fait du mal ou ça fait du bien? Ah, c'est parce qu'il faut viser comme ça. Donc ce sont des plateformes qui s'activent quand vous ne les regardez pas. Très intéressant comme principe. Merde. Oh non! Ah mais ok, ça... Ah ouais, d'accord, ça... Ah ouais, oh non. Oh, c'est très chiant. Ah, c'est très très chiant. Donc faut faire un sans faute. Très bien. Le sans faute, moi, ça me connaît. Bon, pas comme ça. Tac. Raté. Raté. Quel... Réussi. Non. Attendez, j'ai l'impression que c'est plutôt un temps. C'est plutôt un timing, j'ai l'impression. Je sous-estime le temps que les enfants ont à disposition. Ah, c'est vrai que l'enfant pourra y passer une année. Alors que nous, on n'a pas le temps. Il faut envoyer les pubs et tout, c'est extrêmement important. L'enfant, lui, n'a pas les pubs à envoyer. Eh ouais, l'enfant n'a pas les pubs à envoyer. Il y avait un truc là. Il y avait un truc là-bas. Regardez, là, la texture est un petit peu pliée. Tant pis, on ne peut plus y aller. Oh putain, une fleur piégée. Ouais, encore une fleur piégée, zut. Ça, c'est pour, voyez, encore une critique de la société. C'est pour éviter tout ce qui est grid. Hein. Voilà comment on va faire. Parce qu'en gros, là... Voilà, on va pouvoir activer les cases comme avant. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Une fleur, c'est la deuxième. Bon, ce stage va me gaver, je vais essayer de l'expédier sans prendre les laines et les fleurs. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Oh! Oh! Oh, une laine! Bon, je fais même pas exprès, je suis fort. C'est pas ma faute. Ouais! Alors là, on arrive là. Bon, qui nous amène à rien du tout. Il faut trouver une clé
qu'il y a un truc en haut? Ça a rebondi ou pas? Non. Ouah! Ah merde, ça m'a fait sauter. Comment on peut faire pour avoir cette plateforme là? Réfléchis. Ah mais putain, vers le bas! Suis-je con? Ah non, on peut pas, parce qu'il faut que ce soit en arrière et. Il y a forcément un moyen. Là, on est d'accord que oui, là ça ne peut pas marcher. Ah là, comme ça! Merde. Parce qu'il y a un mur là-bas. Attendez, attendez, c'est là, c'est sûr. Bon, il y a sûrement un moyen plus simple, mais compliquons-nous la vie, comme souvent. Ned. Attendez, je vais me compliquer la vie. Ah, ça marche pas. Ah, mais c'est un passage secret sans deck. Oh putain, c'est pas vrai quoi. Oh, c'est pas vrai, il y a une porte cachée, une porte dérobée. Excellent. Très intelligent Nintendo, ils se sont dit, le mec va essayer de tirer vers le bas, alors qu'en fait, il verra. Enfin, très intelligent, vous avez vu. Ils se sont dit, ouais, ils font un putain, tellement intelligent. Tellement classe. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai fait de la merde. Non mais moi je voulais la fleur avant tout. Alors le pauvre va réapparaître, on va attendre qu'il réapparaisse. Voilà. Voilà. Là évidemment. Hop. Tac boum tac tac. Là. Tac boum tac tac. Et là tac boum tac tac. Et là on passe là. Ouais. La clé est juste en dessous du panier de laine. Ouais j'ai vu. Mais on ne peut pas y aller pour l'instant. Encore un. Putain j'ai même pas fait exprès quoi. C'est bon. Attends, reviens! Ah non, tu. Ok, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un truc là? Ah, c'était pour contrer le fantôme à la base. Wotaku54 vient de donner 5€. Sans message. Bah écoute, merci beaucoup. Et merci à Evelex. Merci à Evelex également. Non, je voulais. Voilà. Sur la droite! Viens sur la droite! Avoue que ça passe. Ça passe pas. Tant pis, bon, il y avait sûrement un truc là-haut, hein. Ah, par contre, là, c'est chiant, il est très mal placé. Hein? Et voilà! Fallait pas faire ça, mais. Désolé, hein, désolé. Encore un mec sur le chat qui a mis clairement pas pour les. Ah! Clairement pas pour les enfants. Hein? Oh là là! Hein? Oh quoi? Pensez le brain. Alors maintenant, faut trouver un moyen de monter. Et là, il y a un gros fantôme, donc on va pouvoir monter. Ça va être génial. Vas-y, viens! Viens, on va te faire la misère. Mais comment on va faire pour le... Viens là, viens là. Meurs. Allez. Regardez, il tremble, le pauvre Yoshi tremble. Bon allez, tu fais les conneries. Allez, go, 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 là. Yeah. Et le fantôme qui est là, ah, il s'est barré par la porte. C'est génial. Ouais, checkpoint. Checkpoint. Ah, et là on a quand même un checkpoint ici, c'est à dire que c'est tellement relou ce qui va se passer avec les plateformes maintenant qu'ils nous ont mis un checkpoint. Qu'est-ce que je viens de faire au juste? Oh putain! Quelle stupidité! Quelle est la stupidité? Go! Hein? Wotaku, 5€ encore. Une maison hantée, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces ingénieurs bordel? C'est complètement n'importe quoi. Le roi Bou, on le retrouve dans le Mario Kart Double Dash. C'est vrai. Et merci pour tes 2 donations. Il a été censuré et extrêmement déçu car il a fait un don double. Merci à toi. C'est vraiment sympa. Et là, il y aura une laine, c'est ça? Eh ben non. C'était encore plus piégé, c'est de la merde. Bon, on y va, hein. Allez. Là, faut ouvrir la porte. Comment faire? Y'a un truc là-haut? Ah, y'a un truc là-haut. Non. Hein? Non. Hein? Là. Oh putain, y'a une plateforme là, j'ai pas vu. Non. Oh non, vite. Vite. Putain, ça ne marchera pas. Bon, ok. Elle est tout là-haut, soit on ne l'avait pas vue, maintenant qu'on sait où elle est, maintenant qu'on sait où elle doit habiter, cette plateforme, on y va, on la fait proc. Putain. Putain. Sans deck. Oh quoi? Pourquoi celle-là s'est barrée avant? Ça n'a aucun sens. C'est vrai, je l'avais fait pop avant.
Alors, ah là on a une grosse boulette. Alors ça, ça va être vachement bien. Parce qu'en fait ça en fait proc 2. Allez go. Oh non, ça passait. Oh non, 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 vite. Oh non, vite, vite. Oh c'est bon, ça passe. Cool. Oui, 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 oui. Alors attendez, là il y a un truc. Non, là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un truc. Un peu angoissante cette maison. On a l'impression d'être dans des châteaux de sable gonflables. Vous voyez ce que je veux dire? Y'a rien là? Ah, si, quand même. DHP! Pourtant on a pas eu DHP. Ouais. Ballon géant. Fais pas le con avec la hitbox. Ok. Un! Tiens! Allez! Une aide! Oh! Bon, du côté des cases à casser, il y avait sûrement un truc du genre une laine ou une fleur, mais peu importe, mesdames et messieurs, car il devait y avoir. Oh, je pouvais pas! Tant pis! Putain, on a eu combien de laine dans ce niveau? Une! Waouh! Excellent! Oh non, le jeu bonus! Non! Damned! Bon, mesdames et messieurs, pour ne pas faire un niveau qu'avec la maison hantée, je vous propose que nous fassions un autre niveau avant de passer à la soirée Minecraft avec Fukano. Il y aura donc quelques minutes de retard. Mais la semaine dernière, je crois qu'on a vu quelques minutes de retard aussi pour la fin de l'émission. Non, c'était la semaine d'avant. Ou c'était jusqu'à 1 milliard d'années. Alors, est-ce qu'à votre avis, qu'on va à gauche, on passe à droite? Et non, la Terre n'est pas ronde. Dommage. Ça m'aura fait perdre beaucoup de temps. Hop! Faut se retourner direct. Youhou! C'était de la merde. Oh, c'est tellement de la merde ce niveau! De toute façon, les niveaux bonus, c'est de la merde. Ah, d'accord. Attaque Rodéo! Non, c'était de la merde! C'était tellement de la merde! On va tout passer, les cinématiques et tout là. Je passe cinématique. Ah, bah attends, on s'en fout! Hein? Jouer en mode relax. Non, 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 c'est bon. 6-6, et ce sera le dernier niveau de ce soir. Et il nous restera 6-7 et le château de Bowser ensuite, enfin! Et ce sera la fin du jeu et la fin de nos aventures sur Yoshi's Woolly World. Mais pour l'instant, niveau 6-6, d'accord? Allez. Best level Eva. C'est cool de s'accrocher au Corse. La dernière fois que j'ai hésité sur un mot, c'était Corse. Au scratch, évidemment. Ce sont des scratch. Oh, c'est trop mignon. Oh, il y a la pub Nespresso en fond. Nice shoes. Ah, il lance des boulons. Nice shoes. Oh, de la laine en réserve. Donne ça. Donne le scratch. Dommage qu'il l'ait mis que maintenant, le scratch. Il aurait pu le mettre avant. Dommage. Peu importe. Allez. Oui. Après le boulot, ça fait plaisir de te retrouver. Hey, bienvenue Yopi91. Merci à toi pour cette donation. C'est quoi ça? Quoi ce vieux... Ah non. Qu'est-ce que j'ai fait? Accroche-toi. Bien. C'est pour la télé, c'est pour le spectacle. C'est pour le spectacle que j'ai fait ça, ça va. Croyez pas que je suis capable de faire un truc aussi mauvais. On y va. Oh putain. Bon là, il y a un truc dans le tuyau, hein, évidemment. Ah non. Peut-être pas, car c'était... Oh putain, pas par là, pas par là, pas par là. Oh non. Catastrophe. Je n'ai pas pu m'accrocher. Ça me donne envie de me gratter. Ah bon? Ça me donne envie de vous gratter. Gratte. Oh! Oh, vas-y! Le tuyau. Non, je rigolais! Et c'est la première partie du live. Ouais, ouais, ouais. Go! Hop! On termine, on termine. Hop, hop, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Désolé, j'ai pas le temps! Désolé, j'ai pas le temps! Voyez une laine en haut, j'ai pas le temps non plus! J'ai pas le temps, désolé, j'ai un mec hyper, hyper rageux qui m'attend. Allez, on rush, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance.
Allez, on avance, on avance, on avance. Hein, hein. Go. Oh, père. Oui, juste un petit message pour les gens qui regardent la vidéo sur YouTube. Je vous passe le bonjour et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, voilà, et buvez de l'eau quand il fait chaud. Et c'était un message de l'INPES. Non, pas du tout. C'était un message de... Kuma Doji. Kuma Doji. Oh. Oh. Oh non. Ah non, 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 non. Il va suivre le truc? Non, il suit pas le truc. Ah, c'est une plateforme volante, comme ça. Dans un monde où le RP est pourtant ultra respecté tout le temps. Oh merde, non, j'ai fait n'importe quoi. Ah merde. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Non, je vais m'énerve. Ouais. Allez, avance. Et là, eh, il y avait sûrement un truc là-haut, encore une fois, hein. Ça, c'est pour les petits tips, c'est la solution complète qui sera disponible sur mon blog à tout moment. Et on y va. Hop, 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 saloperie, j'ai pas le temps. Pardon, j'ai pas le temps. Hop. Ouais, 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 on va aller par là, ça va le faire. Alors, je te dirai là. Ah, caca, caca, c'est bon. Là, on va sur les chariots, on attend que ça tombe. Hein. C'était quoi? DHP, DHP. On les aura pas, tant pis. Un coup de lance. Oh non, mais putain, pourquoi? Je bugué, je nul. Non, pas bugué, mais bon. Allez, on y va. Oh là, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Hein. Oh, ça va de l'autre côté. Je suis bête, je pouvais le savoir en voyant les mascasses se déplacer. J'ai été un peu bête. C'est aussi de l'autre côté là, attention. Hop là. Oh, c'est cabriole qui vous fait quoi? Oulay. Oh, mais il est mort. Oh, mais il est. Hop, mourez. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, faut juste. Ah, d'accord. Oh. Oh. Oh, quoi, 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 quoi. C'est bon. Oh, quoi, 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 quoi. Passe. Oh putain. Hop. Bon, écoutez. Ah, c'est insupportable. Ouais, alors, c'est la fin du niveau, c'est ça. Et j'ai raté toutes les laines. Il y avait encore un truc au-dessus, il y avait un nœud. C'est la fin du niveau? Pas du tout. Oh, ah, faut monter. Ah, plus comme ça donc. Oh, c'était un niveau trop bien, mais nul du coup. Non, catastrophe totale. Bon, bah écoutez, il est 19h59, on est donc largement en avance. Et comme vous le savez sur les programmes télé, quand on vous dit arriver à 20h commencent les publicités. Donc c'est ce qui va se passer sur ce live, car on essaie d'être très professionnel et le plus proche de la télévision possible. C'est ça que vous aimez, hein? Pas du tout. Donc voilà, c'est trop cool de s'accrocher sur les Corses, évidemment. Hein, pourquoi? Pourquoi j'ai dit Corse? Vous le saurez en regardant la VOD précédente. Et surtout, n'oubliez pas d'enlever Adblock MDR. Allez! On se retrouve bientôt pour du Yoshi, je ne sais pas quand, probablement la semaine prochaine, puisque hashtag lire la prog. Et d'ici là, portez-vous bien, nous on se retrouve dans 5 minutes pour faire une petite map avec Fukano, une map qui devrait vous plaire, vous saurez pourquoi dans très peu de temps. A tout de suite, ne bougez pas.